Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise? Car très certainement, nous l'avons choisi en ce monde, et dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien. Quand son Seigneur lui avait dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. « Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point, donc, autrement qu'en soumis à Allah. Étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Jacob, et qu'il dit à ses fils, « Qu'adorerez-vous après moi ?» Ils répondirent, « Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères. » Abraham, Ismaël et Isaac, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. Voilà une génération bel et bien révolue. À elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. On ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient. Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dit, non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. Dites, nous croyons en Allah, et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël, et Isaac et Jacob, et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Alors, s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. Alors Allah te suffira contre eux, il est l'audient, l'omniscient. Nous suivons la religion d'Allah, et qui est meilleur qu'Allah en sa religion? C'est lui que nous adorons. Dis, discutez-vous avec nous au sujet d'Allah alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre, à nous nos actions et à vous les vôtres, c'est à lui que nous sommes dévoués. Où dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Dis, est-ce vous les plus savants ou Allah? Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient d'Allah? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites.